Du chapitre 14, nous commençons au verset 9 jusqu'au verset 12. J'ai dit, et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom, la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Merci. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je lis dans Apocalypse chapitre 15, verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom étaient debout sur la mer des vers, ayant des harpes de Dieu. Ça, c'est 15, verset 2. Je parle dans 16, verset 2. Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Je lis dans Apocalypse chapitre 20, verset 4. Nous lisons. 4. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent fit donner le pouvoir de juger, et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Nous avons lu ensemble avec vous, chapitre 14, verset 9 à 12, vous qui avez voulu des versets, comme la sœur Kilsi qui m'a demandé à Luanda, en Angola là-bas, et d'autres personnes qui nous ont demandé. Nous sommes contents de vous au Mali, Côte d'Ivoire, Gabon, Congo-Brazzaville, Kinshasa, France, partout dans le monde. Que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous ce dimanche matin, c'est un dimanche affreuse dont le Seigneur, par sa bonté, sa miséricorde, nous a prêté la vie puisque nous sommes des mortels. Il y a des autres qui ne sont pas réveillés, mais quand nous nous sommes réveillés, ce n'est pas habituel. C'est pourquoi le saint prophète de Dieu dit, on ne s'habitue pas avec Dieu. Quelqu'un qui fait des horaires, il ne sait pas reconnaître ses erreurs et mettre sa vie en ordre. Cela veut dire qu'il s'est déjà habitué avec Dieu. Mais quant au saint, à l'épouse du Christ, nous nous reconnaissons nos fautes les uns les autres et nous nous répandons devant le Seigneur et les uns les autres afin que nous puissions vivre dans la communion fraternelle en Christ sous cette parole ici. Que la joie du salut nous soit accordée ce matin alors que nous sommes en train de parler de la chronologie biblique et de la marque de la bête dont nous avons commencé en parlant par l'Antichrist. Voilà. C'est pourquoi nous sommes venus finir ça aujourd'hui. Nous avons lu Apocalypse chapitre 14, 9 à 12. Nous avons pris 15 versets 2, 16 versets 2, 20 versets 4. Voilà.
J'espère que c'est clair là-bas sur ce que nous avons commencé à parler ensemble avec vous ici. C'est ce qui s'était passé et nous avons pris. J'espère que je peux lire ici l'Apocalypse chapitre 13 pour que les gens puissent comprendre comment est-ce que ces choses ont commencé par rapport à d'autres interprétations que les gens donnent. Voilà. En lisant ici, nous allons partir à Apocalypse chapitre 2. De 2, nous allons retourner à 1. Nous allons aller à 1, 1. Et puis nous allons retourner à 12, 12. Nous allons donner d'autres références et puis nous allons terminer. Voilà. Ici, nous lisons dans Apocalypse chapitre 13. Puis je vis monter de la mer. Voilà, comme nous nous terminons aujourd'hui, nous pouvons donner certaines explications sur ça selon la révélation qu'ils nous ont donnée. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Pourquoi dire, la Bible nous a dit, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Prenons d'abord monter de la mer. Pourquoi dire monter de la mer? Donc, cela veut dire, quand la Bible nous dit monter de la mer, ce n'est pas les eaux là, des mers, des océans, des mers, non. C'est monter de foule. Ici, donc, cela veut dire monter du monde entier, de toute race, tout peuple, toutes les nations qui se trouvent sous soleil, et cette bête puissante qui s'est levée, des eaux là se représentent, ça veut dire des foules, des masses. La masse, vous comprenez? Donc ça veut dire ce qui compose toutes créatures qui sont sous soleil. C'est ce qui fait, la Bible dit, monter de la mer. Vous voyez la grandeur de mer, c'est ça, c'est ce langage ici. Vous comprenez? Une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Donc ça veut dire les 10 cornes. Ici, avec 7 têtes, les 7 têtes représentent les 7 puissances. Donc, ce sont des 7 puissances, ce sont ces grands pays qui composent ce que nous pouvons parler de 7 grandes puissances mondiales. Et sur ces cornes, il y avait 10 diadèmes. Souvenez-vous, nous avons dit que non, les cornes, ce sont, donc ça veut dire comme un animal, une bête, sa force est sur ses cornes. Donc, les cornes, c'est la force de la bête. Ouais. Et sur ses cornes, sur sa force, donc il avait d'abord 7 têtes et il a encore quoi? 10 diadèmes. 10 diadèmes ici, ce ne sont pas les rois comme beaucoup de gens l'interprètent, que ce sont les rois de ce monde ici. Non, ce sont des dictateurs. Quand on parle de 10 diadèmes ici, ce sont des dictateurs, les gens qui dictent les lois, qui font des choses contrairement aux lois établies, même par des gouvernements, même sur le loi de Dieu. Vous comprenez cela? Ils foulent à leurs pieds la parole de Dieu, comme ce même verset nous dit ici, et sur des têtes, des noms de blasphèmes. Vous comprenez? Parce que ils foulent aux pieds la justice de Dieu, la parole de Dieu, l'ainsi dit l'Éternel. Les commandements de Dieu, les lois, les préceptes, les statuts, c'est des ordonnances que l'Éternel Dieu a établies, qui ont créé ciel et la terre. Vous comprenez cela? Ils foulent ça au pied. Donc, ça veut dire qu'ils n'en ont pas besoin. C'est ça, le blasphémer. C'est ça même la source de l'antichrist. Donc, nier ce qui est écrit. Venir avec une interprétation erronée. Une interprétation qui est contraire à ce que l'Éternel a dit. Souvenez-vous, nous vous avons dit que non, cela n'a pas commencé aujourd'hui, n'a pas commencé hier, mais c'était tout au début là-bas, quand nous allons lire ça ici, dans Apocalypse chapitre 12. Vous voyez? Donc c'était tout au début là-bas que la bête avait commencé. Cette bête a été présentée dans ces temps-là qui n'avait pas de cornes, c'était avec le serpent ancien. Il s'est incarné dans le serpent. Pourquoi il n'avait pas de cornes? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore eu la prééminence dans l'Église, dans le monde, sur la mer. Vous comprenez? Donc il fallait qu'il puisse arriver à son aboutissement. Et il marcha jusqu'à tel point que non, il attendait ce temps à laquelle non, il a pris la prééminence dans l'Église depuis qu'ils ont introduit la doctrine nicolaïte dont nous vous ont dit ici. Vous voyez? Donc,
cette doctrine qui est née, dont nous allons lire ici dans Apocalypse chapitre 2, c'est là que nous allons expliquer cela. Avançons un peu ici. Verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Ouais. Ici, dans verset 2, nous allons revenir sur le verset 7, le chapitre 7, pardon, du prophète Daniel. Dans le livre du prophète Daniel, le saint de Dieu, dans chapitre 7, si vous lisez, on parle de cette même bête de la bête. Daniel déjà avait vu cela. Donc cela veut dire qu'il avait déjà eu la préfiguration de ce qui allait arriver dans ce temps ici. Vous voyez? Donc, si vous lisez, donc ça veut dire la prescription dont la Bible a donné de la forme de cette bête ici, vous voyez, et vous lisez ça en Apocalypse, dans Daniel chapitre 7, vous allez voir que non, c'est conforme, la Bible ne se contredit pas. C'est cette même bête, vous voyez, c'est celui-ci qui a la prééminence sur toute la terre, vous voyez, c'est celui-ci, vous voyez, c'est celui qui était monté des eaux. Pourquoi? Parce qu'il a introduit une doctrine et tout le monde dans le monde entier, tout le monde a suivi cette doctrine. Dans des églises, dans des gouvernements, dans des nations, dans des empires, dans des royaumes. Est-ce que vous comprenez? Partout, tous ont suivi cela. Lisons dans verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortel fut guéri, rempli d'admiration, la terre entière suivit la bête. Voilà. Donc cela veut dire il a été frappé à la croix. Parce que quand on dit qu'il est frappé par le peu de Dieu, Christ qui était descendu, il a frappé cette bête. Voyez comme Genèse chapitre 3 nous dit là-bas, quand l'Éternel maudissait. Dans chapitre 3, verset 15, vous lisez là-bas, vous allez voir ce qu'il est dit là-bas entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Vous comprenez cela? Donc, on parlait de cette femme dont nous allons lire ici dans Apocalypse chapitre 12. Voilà, la véritable église qui n'a pas écouté, qui n'a pas fait la compromis avec le diable. La première église, Ève, avait fait la compromis, elle l'a écouté et c'est que les serpents, c'est la bête, voyez, qui était venue pour mal interpréter l'ainsi dit l'Éternel, et elle a ouvert sa matrice, elle l'a écoutée. Voyez. Donc la première virginité digne de l'Église, ce n'est pas cette virginité dont on parle corporellement, même dans des humains. Vous comprenez, une femme qui est déjà déviergée moralement, c'est plus qu'une femme qui est déviergée physiquement. Vous comprenez? Cela fera en sorte que pour que cette femme puisse revenir à son état de conscience, de pureté, ça lui sera difficile. C'est comme l'Église. C'est pourquoi Hébreux chapitre 6 le dit clairement. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire, comme l'Église est là, si l'Église comme une femme déviergée moralement, même au niveau de son âme, c'est vraiment impossible qu'elle arrive à la repentance. C'est pourquoi Hébreux 6 dit ça. Voilà. Donc, voilà, nous allons lire ça. Donc, c'est ça l'état à laquelle que l'Église se retrouve. L'état d'immoralité. Pourquoi? Parce qu'ils ont cédé à la prostitution de la coupe de cette bête qui a fait boire à toutes les nations, tous, qui ont rejeté les commandements du Christ, les commandements du Seigneur, qui n'ont pas voulu être témoins de Jésus comme les gens autrefois. À cause de quoi? Parce qu'ils ont vu qu'ils ne peuvent pas acheter ni vendre sans pour autant avoir cette marque. Et ils sont arrivés à faire l'image à la bête. Quelle est cette image? Vous comprenez? Ils ont fait les choses comme eux, ils ont fait, comme la bête, ils ont fait. Vous comprenez, comme ils ont commencé tout au début avec la doctrine nicolaïte dont nous sommes en train de parler ici, dont nous avons donné des exemples l'autre fois. Nous avançons.
Et maintenant, et ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre lui. 5. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et de blasphème. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Nous allons parler de ça après. Pas aujourd'hui, s'il vous plaît. 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. 7. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Ça, c'était dans les âges sombres. Donc, ça veut dire après le cercle des apôtres, quand la doctrine nicolaïte a pris place, on a commencé à combattre les chrétiens avec des rois comme Néron, tous ces rois-là, vous connaissez l'histoire, c'est ceux qui combattaient, ont persécuté les chrétiens dans des âges sombres. Vous comprenez cela? Et l'Église, c'était simple question de dire simplement que tu es chrétien, quelqu'un qui croit en Christ, tu es mort. Vous comprenez cela? Donc, parce que la doctrine a changé. Quand cette doctrine nicolaïte a pris place, c'était question que non, tout le monde puisse venir là-bas, témoigner Père, Fils, Saint-Esprit et adorer le nom de Marie. Et donc ça veut dire pourquoi? Parce qu'ils ont fait l'image de faire en sorte que non, de Pierre, il représentait Jupiter qui était le dieu des païens. Vous comprenez? Et puis Mercure qui représentait Marie. Vous comprenez? Ces images, des statues qu'ils adoraient, qu'ils prenaient comme de dieu, vous comprenez? De l'Empire romain à ce temps-là, ils ont remplacé par Pierre et ils ont remplacé par Marie. Mercure, c'était Marie et Pierre, c'était lui, Jupiter. Vous comprenez, c'est lui qu'on a renommé comme premier pape. Vous comprenez, donc on a donné à la grande église son nom, Saint-Pierre. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et maintenant, dans les âges sombres, c'était question simplement de prononcer que non, vous êtes chrétien, vous êtes mis à mort. Ouais. Et cela s'est avancé jusqu'à tel point que même Luther, nous allons continuer à lire, mais laissons-nous essayer un peu d'expliquer. Donc cela veut dire, dans des époques bibliques, comme dans des âges que nous lisons ici, laisse-moi lire, dans Apocalypse chapitre 1, verset 11, je lis, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. » Donc, ces sept églises, c'était des époques. Tout ce qui s'est dit pour ces sept églises ne s'est pas déroulé en même temps. Comme j'attends d'autres gens qui parlent. J'aime vraiment beaucoup de gens, surtout quand on passait des émissions ici, avec le pasteur Rodrigue, quelqu'un qui est de l'Évangile éternel. Ce sont des gens qui aiment beaucoup parler de la parole. Ils ne sont pas vraiment basés sur les miracles, parce qu'un enfant de Dieu lui-même, c'est un miracle. Est-ce que vous comprenez? Parce que la parole ici, c'est la parole créatrice de Dieu. Dieu a tout créé miraculeusement. Et si vous avez l'insidie qui a créé les cieux et la terre, vous êtes devenu une épître de cela. Veut dire, c'est ce qui fait que vous êtes miraculé vous-même. Vous voyez, vous êtes surnaturel. Et maintenant, la seule chose dont des fois on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est au niveau de la révélation. Parce que ici, dans Apocalypse chapitre 1, si vous lisez, dans le premier verset, il est dit ici, il nous est écrit ici, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. La révélation. Parce que tout ce qui a été écrit ici du Genèse à l'Apocalypse, ce n'était que des sceaux, des symboles, c'était des choses cachées. C'est de la même manière quand Christ parlait avec ses disciples. Vous voyez, leurs yeux n'étaient pas encore ouverts. Même dans le chemin de Marius, quand il était là avec Cléopas et son ami, ils retournaient, ils ont abandonné Jérusalem pour aller retourner dans leur champ. Mais le Seigneur est apparu au milieu d'eux pour commencer encore à les enseigner. Souvenez-vous quand le Seigneur parlait à Pierre, quand il sera converti.
Mais il était là, il a fait des miracles. Il a guéri des gens, il a prêché la parole, comme beaucoup de gens dont nous nous voyons aujourd'hui. Nous devons faire attention, parce que les malins sont derrière la chair, ils sont plus nombreux que le peu qui ont la lumière, qui prêchent cette parole avec les soucis d'amener les âmes vers Christ. C'est pourquoi ils sont là et ils se défendent que par des doctrines. Ils mettent l'Église à la place de Dieu, vous comprenez? Donc, ils placent l'Église à la place plus haut que l'autel de l'Église lui-même, Christ, qui a versé son sang pour elle. Si vous comprenez. Et nous avons vu que non, Christ était là, il commença à les enseigner encore. Jusqu'au jour où ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui dans les églises. Le problème que nous avons, la révélation, même Daniel ici, que nous nous lisons, quand l'ange est venu vers lui, il lui a parlé des choses secrètes, mais il a dit, celle ça. Jusqu'à sec. Même Jean, le divin dont nous nous lisons ici, lui qui a reçu cette vision dans l'île de Patmos, après avoir tout entendu, il a voulu écrire pour aller maintenant prêcher selon lui. Jean, celle ce qu'on dit, les sept étonnés, on ne l'écrit pas. C'est pour le temps de la fin. C'est la même déclaration que l'ange avait dit à Daniel, c'est la même déclaration pour ce temps ici. C'est pourquoi tous ces événements, toutes ces paroles, tout ce que la Bible nous a écrit ici, ici dans les âges, et quoi, dans les sept églises, depuis, en commençant au chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, ne s'est pas déroulé en même temps. C'est faux. Lisez, vous allez voir ce que je suis en train de parler ici, qui est clair. Si vous lisez l'Apocalypse chapitre 3, verset 14, quand on parle de l'église de Laodicée, si vous voyez les œuvres qui se passent dans l'église de Laodicée, c'est vraiment là où le diable règne. Et où l'église dit au Seigneur Jésus-Christ qui est en dehors de l'église, qu'il frappe, il veut rentrer dans son église. Quand il est descendu dans l'Apocalypse, il dit, c'est lui, l'auteur de l'église, il est là, il frappe à la porte. Pourquoi? Parce que l'église a eu des doctrines qui sont nées où de ce que nous sommes en train de lire ici d'Apocalypse chapitre 14. Voilà. Ce qui a commencé avec la doctrine de Nicolaïte ici tout au commencement, quand le troisième siècle des apôtres ont disparu, quatrième siècle, c'est là où que Nicolas, il est venu, il était influent parmi les anciens qui étaient là-bas, les apôtres qui étaient avec de Pierre autrefois. Ce sont eux qui ont commencé cette doctrine-là. Et c'était dans ces âges, dans ces églises ici qui sont réparties par des âges que nous sommes en train de lire ici que non. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Éphèse ici, c'était quand le cercle des apôtres était là. Et vous allez remarquer à Smyrne, c'était encore d'autres apôtres. Maintenant, quand troisième âge dans Pergame, c'est à ce moment-là que cette doctrine a pris place. Vous comprenez? Et nous avons compris que non, même Luther, et tous, quand ils étaient venus ici, dans des âges qui étaient tels, qui étaient déjà avancés, si nous tenons compte ici, Luther qui a protesté contre l'église anglicane ici, c'était déjà dans l'âge de Sardes. Et John Wesley, qui est venu avec l'église méthodiste, c'était dans l'âge de Philadelphie, avant Laodicée et le fusion de Pentecôte puisse prendre place. Est-ce que vous comprenez cela? Mais nous avons compris que et tous ici, bien que Luther a amené la restauration, quoi? De croire au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est comme la première étape de la grâce, la justification. Croire au Seigneur Jésus-Christ, c'est dire non, pas à Marie, pas à Pierre, pas à qui quoi que ce soit, un grand de la Bible. Celui qui fut un serviteur du Seigneur ou le Seigneur avait utilisé, mais au Seigneur lui-même.
crois au Seigneur Jésus-Christ, il a ramené la justification conformément à ce qui s'est passé dans Actes chapitre 1, chapitre 2. Vous comprenez? C'est ici que Luther a commencé, mais il baptisait encore au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, ce qui a commencé avec la doctrine nicolaïte ici. Est-ce que vous comprenez? Oui. Il a protesté contre l'église anglicane parce que l'église anglicane, c'était l'église catholique qui avait cette doctrine. Vous comprenez? Quand on parle de l'église anglicane, cela veut dire que ce n'était que des branches et du catholicisme qui s'était répandu partout, même en Russie, partout et tout. Vous voyez, nous allons avancer là. Et nous avons compris que non, ici, après Luther, John Wesley est venu. Avec cette église méthodiste, vous connaissez. Vous comprenez? Ici, John Wesley, lui aussi, il a dit, oui, Luther nous a ramené. Donc, ça veut débattre de quoi? De croire au nom du Seigneur Jésus. Le seul nom qui peut sauver, il nous a été donné dans les cieux sur la terre. Mais moi, je vous dis qu'on ne peut pas se limiter simplement au premier étape de la grâce. Nous devons avancer parce que la lumière, quand ça s'avance, nous aussi, nous avançons comme ceux du désert, dans la marche. Vous comprenez? Maintenant, ici, c'est l'étape de la sanctification. Parce que ici, dans la justification, là, croire au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Les gens, ils étaient là-bas, ils croyaient, ils étaient sauvés, mais ils vivaient de n'importe quoi. Vous voyez? Mais Wesley, quand il est venu, il a commencé à arrêter certaines choses. Mais que non, un chrétien doit vivre une vie de sanctification conformément à la parole, conformément au Romains chapitre 8, conformément à ceci, conformément à cela. Ouais. Ici, c'est qu'il a dit, c'est Wesley qui a amené la deuxième étape de la grâce. Et nous avons vu que non, ici, lui aussi baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, ça veut dire, même quand les réveils pentecôtistes ont commencé là-bas, aux États-Unis, c'était avec cette même doctrine ici, baptisant, mais les œuvres, de quoi? La promesse de Joël, chapitre 2, 28, s'est accomplie avec l'effusion pentecôtiste. De là, quand ça a commencé, c'est répandu partout dans le monde. Il y avait des miracles, des guérisons, mais les gens, autrefois ici, ils n'avaient pas cette manifestation ici. Vous comprenez cela? Mais et il baptisait encore avec cette doctrine. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que les gens étaient restés encore avec cette doctrine, mais en manifestant quelque chose du Saint-Esprit. Mais c'était la volonté de Dieu parce qu'il voulait restaurer l'arbre épouse. Vous voyez? Donc quand Luther et quand Paul était là-bas, dans cet âge d'Éphèse ici, la semence de vie a été tombée par terre. Et cette semence qui était tombée par terre, nous avons remarqué que non, dans ces églises ici, comme l'église de Smyrne, Pergame, Thyatire, c'était des âges qu'on persécutait des chrétiens. Hein? Une simple question de dire qu'on est chrétien, vous devez être mis à mort. Soit par une bête, vous comprenez, par un animal féroce, ainsi de suite. Ouais. Donc cela veut dire, « Continue à niyamamo et à ma bébali » comme ça. Vous voyez, c'était dans ces temps ici. Donc cela reflétait comment, parce que d'autres peuvent dire que non, mais comment Dieu peut laisser ses enfants ici, comme il y avait des érudits, des gens intelligents qui disaient, mais si Dieu là existait, comment se peut-il qu'il pouvait laisser ses enfants mourir comme ça? Mais c'était suivant la nature, suivant les lois de Dieu. Quand une semence tombe en terre, doit pourrir. Donc ça veut dire, tous ces sangs des saints ici, nous allons lire ça ici en terminant. Donc, ce n'était pas coulé en vain. Vous comprenez? Donc, cela veut dire, c'est comme une semence. Quand ça tombe, ça doit se reproduire encore. Vous voyez? Donc, c'est comme vous. Comme un chrétien, quand il meurt, ce sont ses bonnes œuvres qui vont lui suivre. Et c'est cette vie-là comme une branche. Quand on coupe un arbre, on coupe l'arbre et l'arbre est tombé sur la terre comme ça. Et puis on enlève ce qu'on en a besoin et il y a une partie qui est restée là-bas. Vous allez remarquer que comme à l'intérieur de cet ongle, ou soit dans des racines qui sont restées là-bas, il y a une vie là-bas, comme c'est taché à la terre. Vous voyez? Doit quoi? Doit reprendre vie. Vous allez voir après cette années ou soit certaines, après quelques mois, vous allez voir que non, il y a des petites feuilles qui commencent encore à apparaître.
C'est la même chose avec nous les hommes. Comme nous avons parlé dans la semence du serpent, nous tous, nous étions créés, vous comprenez, de la même nature. Oui, biologiquement parlant. Mais sauf qu'à l'homme, Dieu a mis quelque chose qui est différent des animaux. Mais structurellement, si nous pouvons parler à ce qui constitue des organes humains, animal, toutes ces choses, vous allez voir que non, c'est presque la même. La nature, même étant spirituelle, si quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, la nature est la même. Vous comprenez? Donc, vous voyez. Donc, nous avons parlé de ça dans la semence du serpent. Ce n'est pas vraiment, ça va nous prendre du temps. Si j'essaie un peu d'expliquer ça encore, vous voyez. Donc, l'homme sans le Saint-Esprit, là, la nature animale. Donc, bref. Et nous avons vu que non, l'arbre revient encore à la vie. C'est comme cette semence qui était tombée en terre dans des églises sombres ici, ou des âges sombres, si vous voulez bien, vous comprenez. Et cela a commencé maintenant à donner des petites feuilles. Vous avez vu que les petites feuilles, c'est apparu avec Luther, vous comprenez. Il a protesté avec l'église anglicane. Nous ne devons pas croire Marie ou qui quoi que ce soit, mais au nom de Jésus, la justification. Wesley est venu sanctifier vous, c'est la tige qui est apparue. Après les petites feuilles, l'arbre, la semence qui était tombée en terre, la même nature, pas une autre, commence à avancer. Et nous avons vu que non, quand le réveil pentecôtiste a commencé, nous avons vu que non, il y avait la restauration des dons. Vous comprenez, de parler en langue, de guérison, toutes ces choses, alors que les gens dans des temps de Luther et des temps de méthodistes, vous comprenez, ils niaient certaines histoires. Comme de parler en langue, des interprétations et toutes ces choses-là que Paul avait, nous a parlé ici. C'est ce qui s'est passé ici tout, quand l'Église était tout au début. Vous voyez? Donc, quand le premier cercle des apôtres. Et nous avons vu qu'en avançant, et nous avons vu que non, l'arbre est arrivé à la maturité. La plénitude du Saint-Esprit qui était descendu là-bas tout au début, c'est Malachie 4. Ouais. J'enverrai Élie les prophètes. Voilà. Je peux lire ça rapidement. On est là. Donc, nous aimons la parole. Il faut que nous puissions lire la parole parce que c'est en elle que nous prétendons avoir la vie éternelle. Et cette vie-là, n'attendez pas que non, l'ange puisse venir sonner de la trompette encore une fois pour vous dire préparez-vous. Non. Nous devons avoir déjà cette vie en nous, comme nous sommes maintenant, par cette parole que nous écoutons, parce que cette parole vient du ciel. Dieu vient des cieux, vous comprenez, et il est au milieu de nous au moyen de cette parole dont nous sommes en train de parler ici. Vous voyez, je lis ici dans verset 5 de Malachie 4. « Voici, je vous enverrai Élie les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive. » Voilà, ce jour grand et redoutable, il ramène. Le cœur de peur. Le cœur, c'est la foi apostolique. La semence qui était tombée au début des âges. Vrai? Le cœur, donc, dans l'effusion pentecôtiste. Premièrement là-bas. Voyez? Ici. Le cœur de peur à leurs enfants. Qui sont les enfants des apôtres qui ont la foi apostolique? Mais c'est nous, les pentecôtistes, qui témoigne la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. La seule doctrine dont nous avons, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà. Et si, qu'est-ce qu'il a dit? Et le cœur des enfants vers le Père. Cette même foi, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Hébreux 13, 8, dont le Juif, lui ont rejeté là-bas à la croix. Quand Pilate leur a posé la question, que ferons-nous de cet homme qu'on appelle Jésus, qu'il soit crucifié, son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Voilà. Le péché d'Israël, dans les 70 semaines de Daniel. Et le cœur des enfants, leur père, donc, eux aussi, selon ce que le saint prophète Zacharie avait dit, ils les reconnaîtront et ils vont se repentir. Ouais. Donc, Zacharie chapitre 12. Nous avons dit ça ensemble avec vous, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ça, c'est l'Éternel, notre Dieu, qui est en train de nous parler là-bas. Vous comprenez? Donc ici,
Dans Zacharie chapitre 12, vous allez voir ce qui va se passer quand Israël va reconnaître, va recevoir cet même cœur, vous comprenez, vers nous les enfants, vers eux, qui Christ Jésus. Alors, je répandrai sur la maison de David, Zacharie 12, verset 10, et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont persécuté. Vous avez entendu? C'est lui que eux, l'Israël, avaient percé. Qui? Christ. Personne d'autre. Et ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Alléluia. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Le premier-né de tous, c'est Christ et Jésus. Créons l'homme. Dieu est avec qui? Avec son fils. Ouais. Dans cet halo de la lumière qui était sorti de l'éternité, par elle que Dieu a créé cieux et la terre. Et c'est pourquoi si vous lui recevez, lui qui la parole, vous devenez fils de Dieu. Si pas, vous êtes un animal. Vous comprenez? Sans lui. Voilà, vous êtes comparablement à un animal. C'est pourquoi les animaux aujourd'hui, sous forme des humains, sont des lesbiennes, des homosexuels, et pratiquent toutes ces choses-là, vous comprenez? Conformément, et jusqu'à coucher avec des animaux, à manger du caca, toutes ces histoires, à cause de quoi? Parce que la moralité. Quand nous avons dit que non, cela veut dire quand Ève était tombée, c'était à cause qu'elle était devenue immorale de ce qui s'est introduit dans son esprit, dans sa matrice, a détruit toute sa conscience et sa subconscience. C'est ce qui fait en sorte que non, elle a séduit. Elle a bien dit que non, le serpent m'a séduite. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, elle était séduite au fait. Donc, c'est l'état à laquelle de cette église dont nous sommes en train de parler dans l'Apocalypse ici, qui ont reçu la marque de la bête dans leur front. Pourquoi? Parce qu'ils ont blasphémé les commandements de Dieu par elle dont nous avons reçu la révélation du Seigneur Jésus-Christ par nos mains. Notre action, c'est de tenir Christ et avoir sa marque qui est le sceau de Dieu. Quoi? Le sang de Jésus-Christ, le baptême et du Saint-Esprit. Vous comprenez? À ceux qui ont rejeté, ils ont quoi? Ils ont fait une action à la bête. Et quelle est cette action? Ils ont construit des temples comme la bête avait commencé ici avec la doctrine de Nicolette tout au début. Construction des grands... construction de quoi? Des grands édifices, des grands temples, des écoles, ainsi de suite. Par elle, nous aurons le pouvoir de tout contrôler. Vous comprenez? Nous n'ayons pas l'instruction. Vous comprenez? C'est très important. Mais la première des choses, que cette parole soit bien interprétée. Voyez? Et nous avons vu que les autres, ils les ont fait de plus grandes, voire même en dépassant ce que... Et qui ont commencé avec la doctrine Nicolaïte ici, ils ont construit dans le monde. Vous comprenez, des grands édifices comme des stades. Il y a des églises qui l'ont construit. Ils ont fait quoi? L'image à la bête. Ils ont suivi ses pas. Et pourquoi j'ai dit que non, je ne parle pas simplement de l'église catholique ici. On parle de toutes les églises qui ont suivi les modèles. Vous comprenez cela? Donc ici, nous ne sommes pas contre des églises, mais des systèmes que les églises ont suivis. Quoi? La doctrine Nicolaïte qui a commencé ici. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'ils ont quoi? Blasphémé contre Christ. Voilà. Donc c'est ce qui fait en sorte que nous, quand on vient ici, on vient pour rappeler aux enfants de Dieu. Partout, ils sont dit à des enfants, partout, dans toutes les églises sous soleil. Que c'est le temps de parler le même langage. Ce n'est pas le temps de doctrine. Remarquez les habitudes. Laisse-moi d'abord terminer de lire ici. Et en ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem comme le deuil d'Adrimo dans la vallée de Megiddo. Amen. Le pays sera dans le deuil. Chaque famille séparément, la famille des maisons de David à part, la famille de David, séparément les femmes à part, la famille de la maison de Nathan, séparément les femmes à part, la famille de la maison de Lévi, séparément les femmes à part, la famille de Shimei, séparément les femmes à part, toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Ici, dans chapitre 13, pour essayer un peu de limiter les temps,
ici qu'ils vont reconnaître. Parce que c'est là où les deux oliviers qui vont prendre ce message, qui auront l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Parce qu'eux, ils n'écoutent que leurs prophètes, leurs grands prophètes que l'Éternel leur a envoyés. Ils ne peuvent pas écouter un prophète des nations. Vous comprenez? L'Israël n'écoute que leurs prophètes. Ce ne sont que nous qui sommes des prostitutions, qui sont des prostituées, qui écoutent n'importe qui. Quand n'importe qui se présente devant nous, les chams, les gens des nations, nous écoutons tout. Remarquez, quand ils étaient sortis dans l'arche, dans la destruction en tête diluvienne, parce que nous parlons de la chronologie biblique, vous comprenez, au temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que Noé puisse passer par la tribulation, Enoch, la véritable église, l'épouse du Christ qui a reçu la révélation de Jésus-Christ, qui n'a pas fait la compromis avec ça. Enoch qui était la septième, vous comprenez, ça veut dire après l'Odyssée. Cette église qui sort de l'Odyssée, qui ont écouté Christ frapper à leur porte et ils ont ouvert, ils ont reçu le Seigneur avec leurs bras ouverts. Comme il a dit que non, voici je me tiens et je frappe, celui qui écoute ma voix, il ouvrira et j'entrerai. J'ai soupiré avec lui et avec moi et mon Père, afin d'accomplir Jean 14, 12. De venir faire ma demeure chez. Parce qu'ils n'habitent pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Tout ce qu'ils ont construit, ils ont suivi les modèles d'eux. Vous comprenez cela? Parce qu'en construisant ça, remarquez simplement de la manière qu'ils conduisent leurs églises. Vous allez voir, c'est de la même manière qu'eux, ils ont quoi? Établi des lois et de la manière de leur manière de conduire leurs églises. Vous comprenez, avec des dîmes, des offrandes, à tout contrôler l'argent comme Juda avait fait à l'église de Jésus lui-même quand il était là, en Galilée. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est qu'il contrôle tout. Donc, il peut vous tuer à cause de l'argent, à cause de sa popularité. Ne touche pas à ces deux choses, parce que c'est là où le diable a son trône. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 3, qu'est-ce qu'il dit? Lui, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Verset 14 jusqu'à 21. Vous comprenez donc? Mais le Seigneur dit que tu es aveugle, tu es nu. L'état spirituel de la prostitution par la marque de la bête, une connaissance erronée, une lettre mal interprétée. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Et c'est ce que nous sommes en train de parler ici. Et vous allez remarquer que nous sommes dans la joie, parce que quand on parle de la parole, des fois, on ne tient même pas compte du temps. Mais je vais déjà terminer. Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, donc, chapitre 3 d'Apocalypse. C'est écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Verset 14, pour lire ça un peu plus rapide. Voilà. Je suis. On est là. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche parce que tu dis je suis riche. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Ils ont rejeté Christ, ils ont blasphémé contre lui, l'Église, dans tous ses états. Voilà, je termine ici. J'avance. Besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. C'est le Seigneur qui parle. 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, le baptême du Saint-Esprit, afin de devenir riche. La richesse de Dieu qui ne périsse jamais. Voilà. Et de vêtements blancs, la sainteté. Voilà. J'avance. Vêtements blancs, afin que tu vois, et afin que tu sois vêtu. Merci Seigneur. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Alléluia. La révélation du Seigneur Jésus-Christ et voit des choses révélées. Amen. Moi, je réponds et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et réponds-toi. Voilà l'état de l'Église. Cela a commencé ici au temps de Noé, comme dans le jardin d'Éden, selon la chronologie biblique. Mais Enoch, le type de cette Église
qui est né de la parole, qui a reçu la révélation de Jésus-Christ, qui est venu ici, la révélation de cette chose. Donc Christ, quand il quitta le trône, il n'est pas venu comme l'agneau, mais il est venu comme le lion de la tribu de Judas. Nous allons lire ça dans le chapitre 1. Vous comprenez? Et quand il est descendu avec un petit livre ouvert, c'est cette révélation-là qui est le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui. Ce n'est plus l'imposition des mains, parce que nous ne vivons pas l'époque là, des apôtres au début là-bas, non. La dispensation a changé. Dieu, à chaque fois qu'il change de dispensation, il change de choses, parce qu'il sait que l'imitateur, le diable, va imiter ça. Vous comprenez? Ça, le diable l'en a déjà imité. Et il a même évolué avec ça. Mais les gens des églises, ils ont resté avec ça. Ils font des délivrances, ils délivrent les gens, ils disent que vous êtes sauvés, vous avez reçu le Saint-Esprit. Non, la seule délivrance, quand cette parole ici est devenue vous. Parce que la puissance qui a créé les cieux et la terre, c'est par elle seule. Et quand elle est devenue vos pas de marche, comme Enoch, il est retourné à la maison sans passer par la mort. Vous comprenez? Donc c'est le type de saints qui ont retourné déjà à la maison, l'épouse qui est pris à l'enlèvement. Donc l'enlèvement, c'est le baptême du Saint-Esprit, dont nous allons parler de ça sur le détail. Mais Enoch et quoi? Noé est passé par la tribulation et le type d'une église qui s'est répandue. Vous comprenez? Mais les autres ne vont même pas passer par cette tribulation. Remarquez cette église dont nous sommes en train de parler ici, qui est déchue, c'est Cham, qui a vu la nudité de son père. Il commençait à quoi? À blasphémer, à rire. Mais ses deux frères, Sem et Japheth, ils ont vu quand ils ont regardé, non. Ils sont allés prendre quelque chose, ils ont couvert leur père. Vous comprenez? La malédiction a frappé Cham, les gens des nations. C'est ce qui a fait en sorte que les Juifs sont différents. Ils n'adorent pas n'importe qui. Ils savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ils ne peuvent pas mettre une image. Ceux qui font ça sont des faux. Est-ce que vous comprenez? Les véritables, parce qu'ils ne croient pas n'importe quel prophète. Et Dieu nous ne nous a pas mélangés afin que nous puissions croire en même temps. Quand Dieu traitait avec eux, nous étions considérés comme des païens. Et quand Dieu traite avec nous, nous avons lu Malachie 4 ici qui nous dit que non, il ramènera le cœur de père des apôtres juifs vers nous. C'est pourquoi Paul a changé la nationalité des juifs, de devenir romain, afin d'être capable, souvenez-vous, devant Agrippa. Il a fait montrer sa nationalité romaine. Vous comprenez cela? Et c'est ce qui lui a permis d'amener cette épître, ces évangiles, tous ces épîtres ici à nous, le foi, le cœur de peur, afin que nous puissions prendre cette même évangile de Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est cette même doctrine d'Hébreux 13 et 8 qui va retourner vers eux avec cette même révélation de cette parole ici que Christ est descendu dans l'Apocalypse 10 quand le septième ange, sa septième étoile a sonné de la trompette. Mais Cham ici, ce qui le pousse toujours, c'est quoi? D'adorer les images. C'est ce que nous avons donné l'exemple ici au temps du prophète Daniel, quand il s'est trouvé là-bas. Remarquez, quand ses règnes ont commencé, c'était quand? À Babylone. Quand les règnes des nations ont commencé, ils ont pris les Juifs en captivité. Daniel, ils étaient là et les autres. Ouais. Comme nous avons parlé que non, cette grande statue, cette image est composé de l'or. Ici, c'est la Babylone, ancienne Babylone, ici avec le roi Nebuchadnezzar et Belshazzar. Vous comprenez, ici, c'était ici. Et après cette tête d'or, ce qui suit ici, nous avons vu que le royaume de Médès et Perse. Après le royaume de Médès et Perse, nous avons vu que non, ce qui suit ici, c'était l'empire de Grèce avec Alexandre le Grand. Et quand Constantin l'a combattu, et lui, il a pris maintenant la prééminence avec quoi? L'Empire romain. Donc nous avons parlé qu'il avait trois fils qui ont allé de l'Orient et de l'Occident, de l'Europe et tout ça. Donc vous comprenez. Donc c'est ici. Et après eux,
nous avons vu qu'il y a une partie, la dernière ici, c'est l'argile vers le pied avec le fer. Or, l'argile et le fer ne peuvent jamais être ensemble. Vous comprenez? Mais par ici, déjà, on avait commencé l'adoration des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils adoraient déjà des images. Et Daniel, quand il a interprété le songe de Daniel chapitre 2, que le roi avait eu, vous comprenez? Le roi Nabuchodonosor, c'est ce qui a fait en sorte que non, ils ont élevé Daniel, ils ont fait une statue à Daniel pour que tous les gens puissent adorer, les habitants des champs. Est-ce que vous comprenez cela? Nous devons vraiment nous repentir, Romains chapitre 11, pour que nous ne puissions pas élever nos épaules. Vous voyez? Nous sommes un peuple déchu, une nation qui était vraiment égarée, loin de Dieu. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, est venu pour nous faire grâce. Et cette grâce, c'est à nous de nous abandonner à se repentant profondément, afin de prendre position en Christ. Laisse-moi avancer et terminer. Vous comprenez? Et nous avons vu que non, ici, ils adoraient. Mais les chiefs qui étaient avec Daniel n'ont pas voulu adorer. Mais c'était question de mort. Ce que Daniel avait fait, ils disaient parler des morts, mais ils ont dit non, c'est notre frère bien-aimé. Et ce qui a commencé ici, nous avons vu ça aujourd'hui, ils ont élevé quoi? Une image à la bête. Des habitudes des gens des nations. Et quand un prophète qui était là-bas, qui servait Dieu, il ne plus, on enlève l'image de cet homme-là. On adore Kimbang. Il y a des adorateurs de frère Branham, les branhamistes. Vous comprenez cela? Il y a des adorateurs de la bête dans des grandes dans l'église mère. Il y a des adorateurs de Marie. Il y a des adorateurs de ceci. Il y a des adorateurs de cela, de Bouddha, des autres, ainsi de suite. Les gens des nations. Vous comprenez cela? Cela a commencé ici, quand les règnes des nations ont commencé à la tête de l'or ici. Et cela s'est descendu. Comme j'avais donné même l'exemple l'autre fois ici, avec l'apôtre Manda. Et il y a des autres qui sont là-bas, on est là jusqu'à témoigner simplement à Aïdine Abal. Mais la vie d'Aïdine Abal, de toi, ça est où? Vous ne voyez pas la position de la nudité que vous vous avancez avec ça, avec les écritures qui disent ici. La seule chose qui couvre la nudité, c'est la gloire de Dieu, la révélation de Jésus-Christ. Quand Adam et Ève, ils ont mal interprété, ils se sont retrouvés nus. Ils connurent qu'ils étaient nus. Là. Cette connaissance-là, ça veut dire c'est l'égarement. Est-ce que vous comprenez? Donc là, je vois le temps est déjà passé. Il faut que je m'arrête. Oh là 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 là. Il y avait beaucoup de choses que j'avais classées ici pour parler, pour vous faire voir clairement comment est-ce que les églises ont donné l'image vraiment à la bête. Vous comprenez? Donc nous ne devons pas nous abandonner aux doctrines ecclésiastiques, mais à Christ lui-même, dans les saints prophètes, William Branham, lui, après les réveils pentecôtistes, quand il est venu, il a commencé à restaurer beaucoup de choses par la révélation dont le Seigneur lui a donné. Quand il a sonné de sa trompette, il a dit non, j'ai marqué ici dans la Bible, il n'y a personne qu'on a baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est dans le nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu. Et Seigneur Jésus-Christ, Seigneur qui veut dire Père, Jésus qui veut dire Fils, Christ qui veut dire Saint-Esprit, Dieu lui-même, c'est son nom. Le même Dieu, Père, dans l'Ancien Testament, vous comprenez cela? Et nous avons vu qu'il est venu pour donner sa vie lui-même, le Père, comme Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père, il n'y a pas deux dieux ni trois. Qu'un seul qui s'est manifesté dans des dispensations différentes, lui-même venant avec Abraham, nos pères, il est venu fils, lui-même le Saint-Esprit dans ces temps-là que nous vivons. N'interprétons pas mal les Écritures, n'allons pas prendre des méli-mélos. Toutes les choses, c'est clair ici, les Écritures ne se contredisent pas. Voilà, pour terminer, je voulais quand même expliquer ceci dans Proverbe chapitre 13, toujours. Je n'ai pas lu 12, nous allons lire ça dans l'Ancien Testament que nous allons commencer le dimanche prochain ici. Mais terminons ici, dans Proverbe chapitre 13, je commence à lire verset 11. « Puis je vis monter de la terre une autre bête. Quelle est cette bête qui fit monter de la terre ?» C'est les États-Unis. Pourquoi? Parce que cette terre était inhabitable. C'était la terre qui appartenait aux Indiens. Mais
les Anglais, les Européens et tous, ils se sont mis ensemble, l'Angleterre à la tête, ils se sont dit, nous allons prendre cet territoire. Ils les ont combattus. Et les Indiens se sont divisés. Les autres sont à la gauche et l'autre sont à la droite. Et ceux qui sont à la droite, ils collaborent avec les Européens. Ils ont dit que non, comme les chrétiens font. Ah, et ils sont des. Nous, nous sommes des. Cette division, c'est ce qui permet à la au diable de s'introduire et de vous donner des doctrines. Vous, vous croyez comme ça, nous, nous croyons comme ça, et ils croient comme ça. Vous, vous avez Dieu 2, nous avons Dieu 2. Il n'y a pas de Dieu 2. Vous comprenez? Il n'y a pas de Dieu 2. Toutes ces doctrines, il y avait que nous, et Kingan dit, c'est lui le Père, Dieu, l'autre Saint-Esprit, l'autre, non. Il n'y a qu'un seul Dieu. Celui qui a créé les cieux et la terre. Voilà toutes ces histoires-là où ça a commencé. Et les Indiens ont fait ça, les habitudes des chams, les gens des nations. Ils se sont divisés. Pourquoi ils adoraient des idoles, des gens sans morale. Et l'autre qui avait quand même une bonne position, il leur a dit, frère, nous serons faibles si nous nous divisons. C'est ce qui fait que non, les chrétiens sont faibles. Les scientifiques, les scientistes sont devenus forts à cause de quoi? Parce que vous attristez le Saint-Esprit. Vous comprenez? Éphésiens 4, 30. Parce que lui, quand il s'attriste, il est la colombe, il est doux. Dans sa nature, il ne fait pas combattre. Vous comprenez? Il se retire simplement. Il aime un endroit pur pour qu'il puisse se manifester. Te donner la puissance afin que tu puisses te tenir dans ces jours ici. Voilà, c'est l'Apocalypse chapitre 12, parce que c'est ce moment-là que nous vivons. Mais quand vous lui attristez, il se retire. Comment est-ce qu'il peut vous donner le pouvoir? Ce qui va arriver là-bas, c'est quoi? C'est de l'aveuglement. C'est quoi? De la prostitution spirituelle. Vous allez faire l'image à la bête. Vous comprenez? Donc c'est ça. Ouais, c'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Les gens sont nus, mais ils sont là avec le nom de Jésus, comme les Écritures disent. Qu'est-ce qu'ils disent? Laisse-nous dans cette position que nous sommes, de faire la prostitution, mais c'est que nous en avons besoin simplement d'avoir ton nom avec nous, parce que ton nom est puissant. Même les démons en ont besoin. Mais ce que nous en avons besoin, ce n'est pas, vous comprenez, d'avoir la connaissance de sa parole, d'aller lire ça, connaître, comme le diable de l'avait dit. Dieu sait que vous ne mourrez pas, vous connaîtrez. Et ils connurent qu'ils étaient comment? Nus. Apocalypse chapitre 3, verset 14, 21. L'église nue. Mais le Seigneur vous conseille, nous conseille d'acheter de lui, alors que lui ne vend pas. C'est sans argent, sans rien payer. C'est ce que je vous donne ici. Est-ce que je demande des dîmes? Je demande des offrandes? Je demande à qui quoi que ce soit de m'acheter une voiture? Non. Je donne ça gratuitement à tous ceux qui se disposent, à tous ceux qui ne se disent pas « je suis d'eux ». Je suis d'eux. C'est ce que Paul les a interdits, c'est ce que l'apôtre Pierre les a interdits. Ne dis pas « nous sommes de Silas, nous sommes de Paul ». Non, nous sommes tous du Christ. C'est à ce moment-là que nous serons comme Enoch, aller en enlèvement. Mais cette église qui ont fait la compromis, c'est Cham. Mais c'est mes Japheth qui étaient sortis bien que de la tribulation, le temps dans lequel nous sommes en train de passer ici. Nous devons prendre la position des saints. Cette église orthodoxe qui est restée avec sa position, cette église juive. Ouais, comme la Russie, pour terminer, il a protesté contre l'église anglicane et l'église catholique. Vous récoltez toujours l'argent, vous nous rendez pauvres. Ils les ont chassés. Et ils ont leurs églises avec leur doctrine là-bas. Vous comprenez cela? Le seul. Mais remarquez l'église protestante et toutes les autres églises, ils ont fait la compromis avec tout le gouvernement. Et ils ont élevé quoi? La marque de la bête. C'est ce que nous lisons ici avec les États-Unis. La bête qui est montée de la terre, là où il n'y avait pas des habitants. Ces grandes nations. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous lisons pour terminer. Que le Seigneur soit vous bénisse pour votre patience à l'écoute de la parole de Dieu. Deux cornes semblables à celles d'un agneau. Il a vu deux cornes, la puissance, sa force, mais aspect de l'agneau. Semblable à celles d'un agneau et il parlait comme un dragon. Vous comprenez? Parce que
Au départ, le Seigneur s'est montré là-bas. Et maintenant, quand le dragon s'est entré, pourquoi? Parce qu'il a fait la compromis, l'alliance avec l'aron papal. Vous comprenez cela? Et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Elle exerçait toute l'autorité de la première bête ici, dans chapitre 1 jusqu'au chapitre 10. Et c'est le même chapitre que sont, et le verset 1 jusqu'à 10, et c'est le même chapitre 13 que sont en train de lire ici. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête à sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants d'adorer la première bête dont la blessure mortelle était guérie. Veut dire quoi? Il y a un souverain qui meurt, il y a un autre qui revient. Comme il y a un pasteur de Saint-Nicette qui disait que non, cet antichrist n'est pas encore venu. Quelque part, je lui ai suivi, il a dit, il est venu, mais et pas vraiment dans sa totalité, il vient. Non, tu ne comprends pas. Ça veut dire quand la Bible dit que non, il n'est pas, donc ça veut dire, et il revient, ça veut dire quoi? Mon croyé a régné à Koufi, parce que ce sont des humains. Ce sont des humains qui ont répété l'image d'Eldergon. Mon croyé a Koufi, Moussou Soyaz, il règne à régner. Et il règne au-dessus de tout. Accueillir Moussou Soyaz, c'est ça, pasteur. On avance. Et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie, les États-Unis. Et elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Des bombes atomiques, des bombes à hydrogène, des bombes à Hiroshima, vous comprenez cela? Et ils font des choses et le monde entier ont peur de lui. C'est les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez cela? Mais Dieu a suscité quelqu'un qui est là. Vous comprenez? Nous avançons pour terminer. Et elle séduisait les habitants de la terre par ses prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait été blessé par le feu et qui vivait. Qui avait été blessé par le feu, la parole de Christ. Hébreux 4, 12. La parole de Christ, le feu à deux tranchants. La sainte parole de Dieu, la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Qui, c'est lui qui disait aux gens de faire l'image. Et nous avons vu, c'est là qu'ils ont commencé à construire, à suivre les modèles. Vous comprenez, qui a commencé ici avec la doctrine nicolaïte. Ouais. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle ou dans des églises. La mauvaise interprétation des Écritures. Et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorèrent pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Ici, quoi? La connaissance. Dans la main, c'est inaction. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, ce n'est pas le tatou. Le tatouage, c'est quelque chose, quelqu'un représente ce qu'il croit, il met ça dans son corps. C'est spirituel, cette marque de la bête. Vous comprenez? Vous en avez dans vos églises. Si cette écriture est mal interprétée, est-ce que vous comprenez? Cela a commencé où? Ça a commencé ici. Vous comprenez? Dans cet âge ici dont nous avons lu ensemble avec vous ici. L'âge de Pergame, Apocalypse chapitre 2, verset 12 jusqu'à verset 17. Mais Christ a dit, c'est lui qui il a dit, repentez-vous. Vous qui témoignez son nom, là où le diable a son quoi? Son siège. Lisez ça en complet. Je ne vais pas lire ça encore. Je vais lire ça avec douce quand nous allons débuter l'enseignement que nous allons débuter la prochaine fois. Mais quand Christ est descendu, il est remarqué dans Paul chapitre 1, verset 13, au milieu de sept chandeliers, lorsqu'il ressemblait à un fils. Quoi? Quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Qui est le fils de l'homme? C'est le propriétaire de la terre. Il a vaincu.
est descendu maintenant pour prendre possession. Voilà. Vêtu d'une longue robe avec une ceinture d'or sur sa poitrine. Ceinture d'or sur sa poitrine. L'évangile pur, l'évangile du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc l'évangile pur, bien interprété, c'est ça l'évangile. La ceinture d'or. Parce que l'or, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas venir d'emblée comme ça, sans pour autant qu'il y ait des enseignements. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu écoutes, si ce n'est pas basé ici, tu es toujours derrière la télé, sur le rythme des téléphones. Tes méga, tes data simplement. Qui est descendu, le lion de la tribu de Juda, quand le septième ange a sonné de sa tempête. Ce pied était comme semblable à un élément, comme s'il avait été embrasé sur une fournée, une peu aiguë. Vous voyez ce que j'avais voulu lire ça à cause de ça. Cette peu aiguë, Christ, Hébreux 4 et 12, la parole vivante de l'Éternel, la parole puissante de Dieu. Voilà. Alléluia. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. Amen. Une peuguie à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brillait à sa force. Lui, le soleil levant. Quand je le vis, j'ai tombé et à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Qui? Celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Dimanche prochain, en tout cas, je suis resté avec, nous sommes restés avec votre dette. Apocalypse chapitre 12. Alors, nous allons lire ça et puis parler de certaines choses dont nous avons laissé en suspense à ce qui concerne les événements qui vont, qui se déroulent maintenant, avec toutes les guerres et des choses qui vont s'en suivre et ainsi de suite. Vous comprenez donc, nous devons être vraiment prudents, donc nous devons nous préparer pour que ces temps-là ne puissent pas nous surprendre. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible nous a dit que Noé viendra comme un voleur dans la nuit. Papa vous a visé donc. Ne soyons pas des vierges folles. Soyons des vierges sages. Prudents avec pétrole dans nos langues. Que les riches bénédictions de Dieu soient avec vous. Bon dimanche chez vous. Je vous aime beaucoup. Shalom du Christ. Que la paix du Seigneur notre Dieu soit avec vous. Qui a des problèmes. Que le Seigneur vous donne des solutions à vos problèmes. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Amen.